on est avec Mickaël Lemercier qui va présenter All Feeling, qui a vraiment renoué de belle manière avec la victoire sur les pompes de Caen. C'était pourtant son deuxième parcours de l'année 2018. Est-ce qu'il était déjà au top, Mickaël, ce jour-là? Eh bien, oui, il faut croire que oui. Après, c'est un cheval, maintenant, je le connais quand même un petit peu, et il se prépare très très vite. Et il lui faut pas beaucoup de courses pour être vraiment au point. Déjà, sa rentrée m'avait plu, moi. C'était moi dans le sulky, et sa rentrée m'avait vraiment bien plu, hein, parce que j'y ai pas demandé grand-chose, et quand je lui ai accéléré dans la ligne droite, il l'a bien fait. Donc, on était quand même un peu surpris de sa victoire, mais malgré tout, on sentait le cheval vraiment, vraiment de mieux en mieux. Il a parcouru depuis environ un peu plus d'un mois. Dans quelles conditions va-t-il se présenter? Allô, j'entends mal, Arnaud, j'entendais très mal. Je disais, il n'a pas été revu depuis un mois. Dans quelles conditions physiques va-t-il se présenter? Oui, alors non, ça me tracasse pas, parce que je l'ai emmené travailler à Caen la semaine dernière. Il était vraiment très très bien, le cheval. Il a travaillé vraiment comme il faut, là. Donc non, un mois de décalage, ça ne tracasse pas plus que ça. Il faut en la distance, par contre. La distance, il fait toutes les distances. Hein. Après, c'est un cheval qui voyage bien dans son camion. Il peut aller très très loin, il n'y a pas de soucis. Est-ce que rendre 25 mètres, par contre, ça peut être gênant pour lui, faire le tour des autres? Pardon? Est-ce que faire le tour des autres, ça peut être gênant pour lui? Ah oui, alors bon, ça va être le travail d'Eric, hein. Avec le travail d'Eric, d'essayer de lui donner le meilleur des parcours, quoi. Parce que c'est vrai que c'est un cheval qui aime mieux finir sur les autres. Après, c'est un cheval quand même qui a un bout très long quand même pour finir. Il peut sortir aux 500 mètres, voire même aux 600 mètres, il va aller au bout. Hein. Après on compte sur le travail d'Eric. Hein. Bon, il trouve quand même un lot dans ses cordes, semble-t-il, sur ce qu'il vient de montrer. Et vu la période de forme qu'il a, c'est souvent cette période-là, d'ailleurs, de l'année qu'il est très bien. Oui, exact. C'est un cheval qui est très saisonnier. L'hiver, on a du mal à bien l'avoir. Il a des problèmes pulmonaires. Donc là, il rentre vraiment dans sa saison de course, là, où il est vraiment optimal à ce moment-là. Bon, vous déplacez dès lors avec des ambitions, Mickaël? Oui. Moi, je me déplace avec des ambitions. Après, ça reste des courses, mais on a tout fait pour que ça se passe bien, en tout cas.